Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le 27e épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM avec une situation vraiment délicate. On frôle la catastrophe, on frôle vraiment l'anarchie à chaque moment. On a des pertes comme à chaque mission. J'ai en face de moi des Goliaths, ils sont très résistants. J'ai une Dream Team qui a eu énormément de pertes puisqu'on a perdu Julien, on a perdu Alexandre, on a perdu Adrien. La Dream Team amputée de ses meilleurs membres, heureusement il reste Brian et Yopman. On va essayer de s'en sortir, mais vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on s'est retrouvé en face d'énormément de Goliath. D'ailleurs, je suis pas encerclé, mais disons que la situation est délicate. J'ai eu ici, juste en face de moi, un énorme Goliath. Attends, on va mettre ici correctement la vue. Hop, voilà, ici, là, il est là. Lui, il m'a pourri la vie. Il m'a pourri mon équipe. Et on va effectivement essayer de s'en sortir dans cet épisode. Donc, j'ai mon Brian qui est ici et qui a, à mon avis, un champ de vision parfait pour détruire cet alien là. On va tout de suite s'en occuper. J'espère que tu vas pouvoir lui tirer en pleine poire. Le tir bloqué 90%. Allez, vas-y, s'il te plaît, Brian. S'il te plaît, on a vraiment besoin de s'en sortir. Manger un peu de shrapnel. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On n'a pas totalement ce que j'ai voulu. 66%. Alors, je suis vraiment dans une situation délicate puisque Darkcraft qui est ici, si jamais il ne le tue pas, il va se faire shooter. Il s'est pas gagné ça. Yopman, je l'ai fait tirer. Arrondir, tu es ici, mais c'est pareil, tu étais vraiment dans la merde. Tu étais vraiment dans la merde, donc il faut que tu recules. Il faut que tu t'enfuis. Voilà, tu vas te mettre là. Ok, parfait. Reste là, reste en mode vigilance. Il a plus de 3 points de vie, donc c'est vraiment chaud. Lui, c'est pareil, quoi. Il a plus assez de points de vie, donc on va essayer de le faire partir. Le problème c'est que le faire partir où? Je suis pas satisfait du tout de cette histoire. On a Yopman ici. Si je le mets là, de toute façon il va se faire shooter au prochain coup. L'idée ce serait de le tuer, mais 66%, et vous imaginez s'il le loupe, il est mort. Je peux pas me permettre. Je suis obligé de reculer. Je vais pas tenter les 66% parce que s'il le loupe, il est mort. Il est mort et j'ai déjà eu assez de morts comme ça dans mon équipe pour me permettre d'en perdre un supplémentaire. On va reculer, on va croiser les fesses. Voilà, ici c'est bon. Tu ne vois personne, personne te voit, c'est parfait. Il faut que ça se passe bien. Un petit tir de riposte. Il va s'en retraite. Ok, lui recule. Non, il recule pas, il se positionne. Il me tire dessus, mais faut absolument que t'esquives. Okay. J'ai rien! C'est bon, il t'a loupé. C'est pareil pour celui-là, quoi. Faut absolument qu'il le loupe. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tir de riposte! Ouais, mais c'est pas vrai que j'ai encore choisi le pistolet, quoi. Purée, faut que je change, quoi. Pistolet, c'est pas avec ça que je vais m'en sortir. Hein. Il faut que j'y pense. On va le faire tout de suite. On va reprendre les munitions. Ah, t'es à sec. T'es à sec, et bah tu recharges. J'ai rechargé! Ok, parfait. Bon, ici on va se rapprocher tout doucement, mais c'est vraiment pas génial. C'est vraiment pas génial. Restons en mode vigilance. Yopman, oh bah Yopman, j'ai trop besoin que tu snipes de loin. Donc tu vas rester là. Tu vas rester là, j'hésite même à te refaire charger. Je peux pas te refaire rechargement. Allez, recharge. Chargé et paré. Toi tu envoies un, mais le problème c'est que t'as plus de munitions. Oh là, je suis vraiment dans la mouise, j'ai plus de munitions, je suis obligé de recharger pratiquement tout le monde. Et toi, est-ce que tu pourrais le viser lui? Regarde ça, ce serait super, tu lui envoies plein de poires là. Allez, vas-y. S'il te plaît, mon petit Brian. Bien joué. Ça va chauffer. Super Brian, magnifique. J'avais vraiment besoin de ça pour m'en sortir. Situation vraiment délicate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, mais on voit pas grand-chose pour l'instant. Ça bouge. Alors, c'est bloqué ou pas? Non, c'est pas bloqué. Tir de riposte. Je vois rien. J'ai rien vu, il a loupé apparemment. Dégâts négatifs. Il a loupé. Attention. Il a plus que 3 points de vie, lui. Attention, il approche, c'est bon. Il s'est caché, mais normalement... Voilà, super, Yopman. Allez, Yopman, s'il te plaît. Ne te loupe pas sur ce coup-là, on a vraiment besoin de toi. Mais comment t'as tiré là? Mais c'est pas vrai. Dégâts négatifs. C'est pas vrai. Tu peux en retirer un autre? Bah vas-y s'il te plaît. Je peux pas louper deux fois 85%.
Adieu. Tu l'as eu, parfait. Alors là, c'était mal fait parce que tu tirais là-bas, mais bon, c'est pas grave. Tu t'en es sorti, c'est ce qui compte. Ok, du coup, on va pouvoir se rapprocher tout doucement, mais sûrement. Parfait. Réattendre, on va essayer de faire les choses calmement. Je rappelle que dans cet épisode, il faut que je capture un alien. Il faut que je capture un alien vivant. T'étais pas censé monter, mais c'est pas très grave. Reste là-haut. Darkcraft, t'as fait le plein, c'est parfait, Darkcraft. On va pouvoir y retourner. Okay. On va pouvoir y retourner, ça va un peu mieux. Par contre, il va falloir que tu te fasses soigner. Qui c'est qui a la trousse de secours? Ouais, c'est pas toi. Il faut que je surveille la personne qui a la trousse de secours pour pouvoir... pour pouvoir soigner. Je sais plus qui a la trousse de secours. Non, c'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça traîne. Ça vient ce bruit. Ça traîne, ça traîne. Qui a la trousse de secours? C'est toi, c'est Yopman. Ok. Donc Yopman, tu restes en vigilance, tu snipes si besoin. Jaguar noir, tu vas avancer, mais vraiment doucement. Le problème, c'est que là, je préfère que tu repartes par là. Voilà, parfait. Tu restes en vigilance. Et Brian. J'ai peur pour toi, mon petit Brian. J'espère que tu as pas trop trouvé dans une situation délicate. Ok, Brian, tu restes là. Darkcraft, c'est parfait, Darkcraft, c'est toi que je voulais soigner. Tu te positionnes ici, au prochain tour tu te feras soigner. Le problème c'est que j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai fait Yopman en vigilance et du coup il peut pas soigner. Bon, tu restes là. Arrondir, tu vas avancer un tout petit peu. Mais vraiment... vraiment doucement. Quoi. Ok, tu restes là. On se méfie hein, parce que ça traîne vraiment. On a repris un peu le contrôle de la situation. Je sais pas si vous avez remarqué. Soin, allez. Bouge pas, ça va aller. Parfait. Ok, super. Allez, cette fois-ci, on peut y retourner. On peut retourner au casse-pipe. On va passer par là. Hop. Bon, ça fait plaisir de reprendre un peu le contrôle de la partie parce qu'on était vraiment dans une situation limite catastrophique. On a vraiment frôlé le drame. Darkcraft, t'es soigné, tu vas pouvoir rattraper ton retard, reviens jusqu'ici. Cours, c'est parfait. Et à rendir, t'es tout seul, mais tu vas avancer ici. Ok, parfait. Yopman, il faudrait que je te fasse avancer au prochain tour. Entendu? Non, juste tête, t'as que 3 points de vie, ça va pas. Ah, pas du tout 3 points de vie, j'avais pas fait gaffe. Yopman! Oh Yopman, t'as plus de trousse de secours, j'ai l'impression. Si, c'est juste que t'as personne à soigner à côté. Tu vas aller courir, Forest, mais alors bien courir comme il faut. Voilà, tu vas te mettre ici. Parfait, et on va faire demi-tour. Hop! Arrondir, c'est parfait. Tu vas courir en arrière. Tu vas te mettre ici et au prochain tour tu te feras soigner. Ok. Toi, tu vas te mettre là. Voilà, et on va plus bouger. Le temps que tout le monde soit soigné. À part peut-être pour voilà, mon petit Brian qui va changer de côté. Super, tu restes là et tu bouges plus. Et toi tu prends la position de Brian. Et voilà. Vous mettez là en couverture le temps qu'on soigne un peu les soldats, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Vous méfiez parce que ça peut intervenir à n'importe quel moment. Voilà. On voit que ça se rapproche. Chut! Vous n'avez rien entendu? Soin. Tu peux plus soigner? Le medikit? Oh putain. Bon, bah comme ça c'est fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme ça c'est fait. Allez, tu vas aller là-bas. Ok, tu vas rester là en mode sniper. Bon, il peut plus. Grappin, ça sert à quoi? Le grappin compte comme un déplacement. Ouais, mais où est-ce que je peux mettre le grappin? Je me suis jamais servi du grappin, mais ça peut être intéressant de... Bon, laisse tomber, tu me saoules avec ton grappin pourri. Hein. Reste là. Jaguar, est-ce qu'on se rapproche? On va se rapprocher.
Il va finir par y avoir un contact. Hein. De toute façon, c'est évident. Ryan, c'est pareil. Tu vas te rapprocher. Hop. Méfiance. Darkcraft, c'est pareil. Darkcraft, rapproche-toi tout doucement. Arrondir. Bah, arrondir, tu sers plus à rien. Donc, du coup, tu vas te remettre ici. Ok. Arrondir, tu te méfies parce que t'as plus que 3 points de vie. Alors là, le moindre coup, c'est la mort assurée. Vraiment, on va faire gaffe. C'était quoi ? Ça traîne. Ça traîne, c'est évident. Jumpman, il faudrait lui prendre un peu de hauteur pour qu'il ait une bonne vue pour sniper. Parce que là, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Bon, arrondir, il va falloir y aller, hein, mon cochon. Hop, tu grimpes, s'il te plaît. Ok, tu vois rien, tu restes en vigilance. Jumpman, tu restes là en vigilance. Attends, on va voir. On va voir si tu restes là, parce que Darkcraft, il va falloir le faire avancer un tout petit peu. Ça m'embête un peu parce que tu vas être totalement à découvert ici. C'est pas génial comme position. Ah, c'est pareil pour toi, Brian. On peut pas dire que ce soit la meilleure des positions. Et Yopman, tu snipes, s'il te plaît, merci. Jaguar. Oh là 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 là, ça pue. Mais ça pue. Ah, tiens, l'entrée du vaisseau est ici. L'entrée du vaisseau est ici. Ça pue, ça pue. Mais ça pue. Oh là là, je le sens mal. Il va y avoir contact. Il va y avoir contact au prochain tour, à mon avis, là. Ça sent pas bon. Donc, Darkcraft, ok, t'as une position parfaite. Je vais te mettre ici. Ok, super. Attends. Une bonne vue, on va rapprocher Yopman pour qu'il puisse sniper aussi. Sachant qu'il faut pas. Il faudra pas tuer l'alien, il faudra le capturer vivant. Toi, on va te faire déployer sur les côtés plutôt, je préfère. Je suis pas du tout rassuré là. Et Brian, notre plus vieille recrue. Quelle galère, mets-toi là. Quelle galère, je le sens mal, putain, je le sens mal. Ça traîne dans le vaisseau. Chut. Vous avez entendu ? Dans le vaisseau, ça traîne. Bon, Yopman, c'est évident, Yopman, il faut que tu restes là pour sniper. Le problème, c'est que t'as pas du tout une bonne visée, quoi. Si tu pouvais te mettre là-haut, ce serait pas mal, là-haut, là. Bonne visée ici, tac, tac. Là, t'aurais une bonne visée, Yopman. Allez, mets-toi là-haut. Super. C'est bien ici. Jaguar, Jaguar, on va se déplacer un tout petit peu. Yalala, il va finir par y avoir un contact. C'est très, très, très délicat, cette histoire. Ok, toi t'es super bien caché, pas de problème. Et Darkcraft, j'aimerais bien que tu restes là. Et arrondir, bah, il va falloir aider notre ami. Hein. Il va falloir y aller hein, dans le vaisseau. Surtout que c'est toi qui peux immobiliser. Donc, c'est toi qui capture l'alien, donc... Ah, pas le choix. Hein. Pas le choix, il faut que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? La ferme. Écoutez. Ok, Yopman, tu restes là et tu snipes. Super. Jaguar, Jaguar, il va falloir se rapprocher. C'est tellement craignos. C'est tellement craignos. Oh, cette pression qu'il y a là, parce que là, je suis... Je vais me faire capter, quoi. C'est... Faut que je rentre sur les côtés. Bien. Ryan, il va falloir y aller aussi.
Oh, t'en as vu un, t'en as vu un. Oh, purée de purée de purée. Il est juste là. On l'a vu, il est à l'entrée. Donc là, ça va, t'es sous ton petit terrier. Mais c'est craignos. Qu'est-ce que c'est craignos? Toi, il faudrait que tu les couvres. Que tu les couvres ici, ce serait pas mal. On l'a vu, on l'a vu. Oh, il l'a loupé, c'est pas vrai, il l'a loupé. Ah, misère, misère de louper à chaque fois comme ça, c'est des Goliaths. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tiens, de riposte, Brian. Vas-y, shoot-le, s'il te plaît, shoot-le. Yes, tu l'as eu, 5 points de vie. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Bon sang, c'était quoi? C'est pas mal du tout, les gars. Bon, Yopman, clairement, il faut que tu restes à l'extérieur. Quoi, si tu pouvais te rapprocher. Bah, ça m'embête un peu. Ici, t'as une bonne vue, mais juste sur les ceux qui se déplacent en extérieur, tu vas rester là. Tu es très bien ici. Jaguar, tu te méfies, Jaguar, parce que ça traîne. Alors, quand je te dis que ça traîne, c'est vraiment que ça traîne. T'en vois un. 17%. 17%, c'est ridicule, 17%. Bon, Brian. Oh purée, ils sont juste là. 68, 63. Oh là 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 là, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Non, non, pas toi, Brian. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi, Brian. Pas toi, Brian, quoi. Tu peux pas me faire ça, Brian. Toi, tu restes là. Parce que s'il sort, tu le shootes. S'il sort, tu le shootes. Vigilance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Yopman, tu restes là. Toi, t'envoies un 17%. Je peux pas le prendre à revers de toute façon là. Non, ça marchera pas. Tu vas rester en vigilance aussi. Brian, 68%. S'il te plaît, Brian. Cette fois-ci, c'est maintenant. Allez, allez, allez. Yes! Disqualifié. Super. Mon arme est vide, je peux plus tirer. C'est pas grave, tu vas recharger. Je peux plus recharger. Oh purée, je peux plus recharger. Je suis de retour. Ah, sinon, c'est pas trop tôt. Darkcraft, tu te méfies parce que si ça sort, il faut que tu puisses couvrir Brian. Donc, tu vas te mettre ici. Yes. Tu restes en vigilance. Toi, c'est pareil, tu restes en vigilance. Quoiqu'à la limite, je te ferais bien passer ici. Tiens. Allez, viens, là-dedans. Ok, super. On va la voir, on va finir par la voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu peux gueuler, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas lui tirer dessus, non? Non, non, non! Par pitié, non! C'est pas vrai qu'il a paniqué, c'est pas vrai qu'il a paniqué. Mais pourquoi t'as paniqué? T'étais caché derrière ton arbre, là. C'est pas vrai que c'est pas vrai que c'est pas vrai que c'est pas vrai, c'est pas vrai que c'est pas vrai. C'est pas vrai, quelle galère toujours aller aider les mêmes. Bon Brian, tu le vois, tu le shootes. C'est ta mission Brian. Allez Brian, s'il te plaît. Yes! Il a son compte. Ah super Brian, super 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 Brian. Darkcraft. Je suis un peu embêté avec celui-là parce que je vais pas pouvoir le capturer comme je voulais.
Darkcraft, Darkcraft, il va falloir aller l'aider, lui. Le truc, c'est que tu vas pas le voir, j'imagine. Là, tu restes là. Tu te fais pas tirer dessus, toi, s'il te plaît. Pars-toi, toi. Voilà. Tir de couverture, tir de... Un petit tir. Toi, toi, toi. Normalement, tu peux, là. On prend pour cible. Ah, putain, pourquoi t'as pas riposté, espèce de brêle sur patte, toi. 100%. Parfait. Tu me fais un tir à la tête. Ou alors, on essaie de le capturer. Il a plus que 3 points de vie. Oh, purée, purée, purée. C'est pas toi qui peux le capturer, évidemment. On va essayer de le capturer vivant. Il me le faut vivant. Oh, ce serait génial de l'avoir vivant. Vous imaginez? Il me le faut vivant. Ah, purée, 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 purée. 3 points de vie. Je... Paf, paf, paf. Je le tape sur la tête. Si je l'ai vivant, ce serait génial, quoi. Il me le faut vivant. Je sais pas comment je vais faire, par contre. Toi, tu vas vouloir le tuer, t'as 100%. Putain, je vais pas pouvoir l'avoir vivant, quoi. Attendez, 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 attendez. Situation... Situation délicate. Parce que là, je peux le tuer... J'ai pas envie de le tuer, faut que je le capture vivant. Il me le faut vivant. On va prendre des risques, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Il me le faut vivant. Brian, c'est toi qui peux l'avoir. Tu vas te mettre ici. C'est très très dangereux ce que je suis en train de faire, mais bon. Qu'est-ce que c'est dangereux? Toi, tu le tues pas. Tu reviens en arrière. Voilà, tu te caches. Tu le tues pas, s'il te plaît. Et toi, c'est pareil. Tu vas te mettre là. Toi, tu peux l'intercepter aussi. Oh là là, il faut absolument que j'arrive à l'étourdir. Et toi, Yopman, le problème, Yopman, c'est que tu vas te faire shooter. Yopman, tu vas reculer. Ah, Yopman, tu vas te barrer. Ah, purée, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. C'est très critique, j'aurais pu m'en débarrasser, mais là, faut vraiment, vraiment que j'y arrive. Oh, purée, non, ils vont le shooter. Vous l'avez loupé tous les deux. Le tir n'a pas fait mouche. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. On l'aura au prochain tour. On va l'avoir. On va l'avoir, c'est sûr. On va l'avoir. Un homme à terre. Ah, c'est pas vrai, putain, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est une vaste plaisanterie, quoi. Je voulais le tuer, quoi. 65-75%. Ah, c'est pas vrai. Super. Il est grillé. Bon. Yopman, tu peux en refaire un. Ok. On va tenter le tout pour le tout. Je suis vraiment dégoûté. Surtout que toi, tu le vois. Ok. On va essayer. On va essayer avec Brian. Brian, t'as pas le choix. Étourdissement. 95%. S'il te plaît. Je maîtrise la cible. Tu l'as eu? Oh, tu l'as eu. Oh, tu l'as eu. Mais super. Allez, cette fois-ci, on y va. On y va, faut qu'on clôture la mission. Allez, on y va. Là, j'en reviens pas, quoi. Il est mort pour la bonne cause, ceci dit, parce que maintenant, je vais pouvoir l'interroger, lui. Allez, allez, on y va, cette fois-ci. Il faut y aller. Yopman, Yopman, tu vas tracer. On va avoir besoin de toi très très rapidement. Tu peux bouger ou pas, Yopman? Non, tu peux pas. Tu peux rien faire. Toi, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes dans le feu de l'action. Tu vas sprinter. Tu vas te remettre ici. Ok, il en reste un. On va l'avoir. On va l'avoir. Yopman, tu peux plus rien faire. Donc, du coup, fin du tour.
Ok, super. Yopman, on y va. On trace. J'en viens pas, quoi. J'en viens pas que lui, il soit mort comme un abruti. Ok. Toi, est-ce que tu vois quelque chose là-dedans? Non, tu vois rien. Tu restes en vigilance. On prend notre temps. Fais pas de bêtises. Brian, Brian, à gauche ou à droite? Pas facile comme choix. Pas facile, pas facile. Allez, tu vas te mettre là. Bon, c'est une bonne nouvelle malgré tout d'avoir réussi à capturer cet alien vivant. Allez, faut que ça se passe bien pour le dernier. Plus qu'on est de perte. On ne sera pas rentré les mains dans les poches pour rien. Ok, allez, on continue d'avancer. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Personne. C'était quoi? Ok, il est là-dedans. On l'a vu, il est là-dedans. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut y aller, c'est comme ça. Ok, il est là-dedans. On va se méfier. Brian, c'est pareil, quoi. Brian, tu vas te mettre là. Il est là-dedans. Et Yopman, 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 on va te mettre là pour faire un bon snipe quand la porte s'ouvrira. Ok, parfait. On ouvre la porte et Yopman, tu snipe. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Le problème, c'est que t'as plus de munitions. Est-ce que je peux recharger? On peut y aller. Ok. Donc, on va juste se positionner comme il faut. Et on ira au prochain tour. Je suis pas un tour près, de toute façon. Ok, je suis vraiment pas un tour près, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ok, super, on est prêt pour le prochain tour. Prochain tour, on y va. C'est là-dedans. Chut, vous n'avez rien entendu? Allez, cette fois-ci, on y va. Il faut que ça se passe bien, quoi. Il faut que ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois rien? C'est vrai que tu vois rien. Oh là là, ça traîne, mais alors ça traîne bien comme il faut. Oh. Il doit être là-dedans. Okay. Il doit être derrière cette porte. On va aller le cueillir. C'est très très chaud. On va aller le cueillir au prochain tour. Pouf, 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 faut que ça se passe bien. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Yopman, il faut que t'ailles là pour sniper. Allez, vas-y, 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 vas-y. Super. Suspense. Allez, cette fois-ci, c'est pour de bon. On ouvre la porte. Ryan. Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu vois? Rien? Tu te fous de moi? Ryan. Cible détectée. Oh, purée. C'est lui qu'il faut que je capture. C'est lui qu'il faut que je capture. Donc Brian, 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 tu peux pas capturer. Toi non plus. Toi non plus. Oh putain, c'est pas vrai que plus personne peut capturer les aliens, quoi. Aussi. 95%. Non, le nombre maximum d'utilisation par mission a été atteint. Non. Oh, c'est pas vrai que 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 c'est pas vrai. Ah, j'étais à 95%. Là, regardez ça. 95%, je l'aurais eu. Hein. Et comme j'ai étourdi le gros Goliath, mais oui, mais je savais pas, moi. Moi, je pensais qu'on pouvait le faire autant de fois qu'on voulait dans une mission. Comment voulez-vous que je sache qu'on n'avait pas le droit de... Purée. Voilà, j'étais à deux doigts de l'avoir. 64%, est-ce que ça va suffire, 64? Putain, c'est pas mal, quelle galère. Tu le vois pas? Permet de tirer après un sprint. Bon allez, on y va. Allez Brian, clôture-moi cette mission sur une victoire.
Super, Brian. Faut que je recharge. Je règle mon viseur. Magnifique, Brian. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais porter le coup de grâce. Il y a plutôt intérêt, oui. Tu te mets au corps à corps et tu le shootes. 100%. Ah, je suis dégoûté de pas pouvoir le... Ces extraterrestres ne nous sont d'aucune utilité une fois morts, commandant. Bah oui, mais... Nous devons capturer l'une de ces étranges créatures. Le plus tôt sera le mieux. Bah oui, mais je t'en ai capturé une, bestiole. Mais je pensais pas que c'était pas la bonne, moi. Putain, c'est pas vrai, quoi. Encore une mission pour rien. Encore une mission pour rien. Je pensais vraiment qu'on pouvait s'en servir autant de fois qu'on voulait, quoi. Non, mais sans déconner, c'est pas possible, quoi. Ceci dit, tu vas peut-être pouvoir l'interroger, le gros Goliath, là. Ce serait bien que tu bouges un peu le derrière, le scientifique, là. Ah, je suis dégoûté. Bon, Brian. Ah, Brian, yes. Ouh, colonel, super. Alors, permet un tir de roquette standard de plus par combat, super. Ou, bonus de dégâts pour les tirs de suppression. Non, non, un tir de roquette x 2, c'est super, ça. Super, Brian. Magnifique. Et Darkcraft, donc Darkcraft, tir précis mais peu puissant qui force les ennemis à sortir à découvert ou permet de tirer deux fois... Ouais, ça c'est super, gâchette rapide, il me le faut. Ok. Oh là 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 là, attends, il y a eu un carnage. Il y a eu un carnage dans cette mission avec Alexandre qui est morte. C'est pas vrai, Alexandre, quoi. Vous avez capturé un autre extraterrestre? Remerciez vos hommes de ma part, commandant. Je sais que c'est difficile de les avoir sans les tuer. Mon équipe saura en faire bon usage. Vous pouvez me croire. Super, donc on va pouvoir interroger le Goliath, on n'est quand même pas parti là pour rien. Et on a récupéré un fusil plasmique et une grenade extraterrestre, ça c'est génial ça. Donc recherche, dans un jour il a fini. Du coup on va pouvoir avoir une nouvelle recherche dans un jour, ça c'est parfait. On va d'ailleurs, attendez, on va d'ailleurs vérifier. Ok, je vais en profiter pour renommer l'un de mes soldats. On avait renommé Thibaut Toussaint la dernière fois, Rebecca Lee. Rebecca Lee, ça faisait pas partie des personnes que j'ai renommées, donc on va le faire tout de suite. Donc parmi ceux qui postent des commentaires, je vais rayer sur ma petite feuille Thibaut Toussaint, qui a été renommé dans l'épisode précédent. C'est Scotty Verbeck, j'espère que je ne me trompe pas. Scotty. Ouais, ça c'est ton prénom. Et ton nom de famille, alors j'ai mal écrit, je m'excuse. Ven. Je crois que ça doit être Verbeck. J'ai vraiment mal écrit sur mon bout de papelard. J'ai vu que tu postais des commentaires sur les épisodes, donc du coup, pas de problème, je t'intègre dans mon escouade. En plus, une fille, de temps en temps, ça fait du bien. Tu pourras occuper les soldats le samedi soir, comme ça. Hop, je te mettrais bien en bleu, je sais pas pourquoi, j'ai comme ça, j'ai envie de te mettre en bleu. Si je peux trouver un bleu. Bah voilà, parfait, nickel. Allez, nickel. Ça, c'est bon. Donc, pour la prochaine, sniper, grenadier, il va falloir... Brian, heureusement que t'es là. Brian, Myopman, vous êtes les deux seuls survivants de la Dream Team. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Donc dans un jour, t'as fini. Ok, super. Nouvelle recherche. Donc, fabrication possible. Archange, vol prolongé, projet disponible dans la fonderie. Ouh là 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 là, on a trouvé pas mal de trucs. Donc l'archange est une armure lourde à laquelle est ajouté un petit système de propulsion qui permet de voler sur des courtes distances. Ça c'est bon ça, une armure pour voler, ça c'est bon ça. Alors nous pensons pouvoir améliorer les modules de vol rudimentaires de l'armure à Kange en ALM volant pour augmenter considérablement le temps de vol. Ah super, ok. Interrogatoire du Goliath, ça il le faut. Ah tu fais pas ton malin là. Essaye, tu verras. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Ok, super. Donc il reste qu'un seul jour, donc ça c'est parfait. La fonderie, moi. De toute façon, j'ai pas assez d'argent, donc. J'ai pas du tout assez d'argent. C'est où c'est ça? C'est vol prolongé. Cadavre de planeur, j'en ai pas des cadavres. En plus, ça coûte 325. Non, mais c'est pas possible, ça coûte trop cher, quoi. Par contre, les armures, ça ce serait intéressant d'en demander, quoi. 200. Non, mais 200, quoi. Par contre, si tu mets ça à un sniper, t'es nickel, quoi. Parce que du coup, tu mets le sniper dans les airs. Et alors là, c'est jackpot, quoi. Mais bon, 200. Laisse tomber, 200. 200, donc 200, on s'en tape un peu. Donc toi, on va t'équiper. C'est bon. Next. C'est bon. Toi, Scotty. Scotty. Hop. Texat. Et Texat. Voilà, on a assez d'armure maintenant, c'est bon.
Fusil d'assaut, prends ça. Et prends ça. Ok, nickel. Par contre, oui, ça va pas. Yopman, on va essayer de refaire quelque chose de propre par rapport aux trousses de secours. Donc, Medikit, c'est bon. Brian, électroflux, ça peut être pas mal puisque du coup il va falloir recapturer encore des aliens, donc je pense que tu devrais le garder, c'est plutôt pas mal. Kuran, j'ai pas besoin de toi puisque j'ai Yopman en sniper. Nelson, on va te prendre. Ouh, grenade extraterrestre, pas mal ça. Et on va prendre ça. Ouh, ça c'est pas mal du tout. J'ai pas les, les fusils plasma là. Qui c'est qui peut se servir des fusils plasma? Attendrai que ce soit toi. Non. Non. Ah, il faut des recherches. Il est là. Fusil plasmique. Il est là, mais il faut des recherches. D'accord, ok. Donc du coup, pour la prochaine mission, que je dise pas de bêtises, on a Yopman qui fera partie de l'escadron avec son trousse de secours. On a Brian avec l'électroflux. Donc ça sert à rien d'en équiper deux. Kuran t'en fera pas partie. Nelson t'en fera partie avec un Medikit. Et Biohazard ça sert à rien. Donc du coup, on va prendre des trousses de secours. On va essayer de s'équiper de trousses de secours au maximum. Quoi. Là c'est pareil quoi. Ok, super. Bon ben voilà. Ça c'est bon. Allez, on y va. On va avancer pour voir un peu ce qu'a donné l'interrogatoire du Goliath. Interrogatoire du Goliath terminé. Quoi, il n'y a pas de nouvelles recherches, tu te fous de moi? Ah, crédit de recherche obtenu, arme plasmique. Super, les fusils plasmiques. Ah yes, 4 jours. Ah ça c'est parfait ça. Ça il me le faut direct. Bon ben ça valait le coup de l'interroger du coup. J'ai pas perdu la mission pour rien. Ça valait le coup, c'est parfait. Parfait, nouvelle recherche, par contre nouvelle recherche, qu'est-ce qu'on a? Maintenant nous pouvons fabriquer nos propres fusils plasmiques, les soldats devraient aussi pouvoir utiliser ceux qu'ils trouvent en combat. Fabrication possible. Oh magnifique. Alors qu'est-ce que tu peux faire comme recherche? Canon plasmique. Ça c'est pour les intercepteurs, fusil de précision plasmique. Nous avons finalement trouvé un défaut dans la TV. Les tirs plasmiques finissent par se long portée. Nous avons diverses théories sur la façon de régler le problème qui nous permettrait de... Ok, super, rien à foutre. Arme plasmique lourde. De toutes les avancées technologiques des extraterrestres, je continue d'être admiratif de leur maîtrise des armes plasmiques. Cette version-ci possède un compartiment de confinement magnétique encore plus complexe qui lui permet de projeter presque continuellement des rayons plasmiques. Il me le faut. Et ça, c'est quoi ça? Canon? Oh la vache. Arme plasmique lourde. Il me faut ça. Je le veux. Je le veux pour Brian. Et du coup, donc, dans ingénierie, production, on doit pouvoir produire des... Canon plasmique. Fusil plasmique. Oh, ça coûte trop cher. Je peux les faire, mais ça coûte trop cher. Par contre, je dois en avoir un, normalement. Et on va le mettre à... pas Yopman, pas Brian, puisque Brian, il a déjà... normalement, ce qu'il faut. Ouais. C'est pour les grenadiers, apparemment. Bon, commando, ça ne servira pas. Soit ça te servira pas. Ben c'est pas vrai que je peux pas les mettre. Fusil laser, fusil. Il est où le fusil plasmique? Vous foutez pas de moi les gars, j'en ai vu un, c'est sûr. Fusil laser, fusil la... C'est pas vrai, j'étais persuadé d'en avoir vu un. Scotty, Eduardo, Daniel, Richard. Je pensais vraiment en avoir un. Fusil laser, ouais non, bah écoutez, je me suis planté, je pensais vraiment en avoir un, pourtant, je sais que je suis aveugle, mais quand même, quoi. Fusil laser, fusil de combat, fusil de précision, fusil laser. C'est qu'à mon avis, je peux pas m'en équiper. Mais non, j'en ai pas du tout, en fait. J'en ai pas du tout. Par contre, je peux peut-être revendre pour les fabriquer. Regardez ce qu'on va faire. J'ai trop de cadavres de sectoïdes. On va en revendre un peu. On va en garder 15. Les allumettes, c'est pareil. Ça sert plus à rien. On va essayer d'en revendre pour pouvoir... enfin, les cadavres de Goliath, quoi. Pareil, on va en garder 25, quoi. Berserker, ça c'est bon, ça c'est bon. Hilarium, je garde. Ça, je garde. Cuve. Cuve, on s'en fout, quoi.
cuve, je garde. Ordinateur de vol, j'en ai pas mal, quoi. Je vais peut-être en vendre un. Allez, j'en vends un. Et voilà, source d'énergie. Allez, j'en vends un aussi. Voilà, donc du coup, je me suis fait de l'argent. Et regardez ce qu'on va pouvoir faire. Production. Fusil plasmique. Et le voilà. Yes! Super, ça c'est de la bonne nouvelle ça. Shoot! Bah, oh c'est bon ça. Oh, je vais faire un massacre avec ça. Bon, il faut que je refasse une Dream Team par contre. Ok, super. Allez, nickel, il faut que je refasse une Dream Team. Alors du coup, maintenant que je sais que j'en ai un, qui est-ce qui peut s'en équiper? Yopman, ça servira à rien. Brian, tu peux ou pas? Non, tu peux pas. Indisponible pour grenadier. Ok. Donc du coup peut-être un commando. Et ben voilà, c'est les commandos qui parlent. Et ben super. Allez Darkcraft. T'as gagné. Super. En plus une grenade extraterrestre, ce serait pas mal ça. Mais non, on va te laisser ça. Ok Darkcraft. Bon ben Darkcraft, tu fais partie de la nouvelle Dream Team. Et obligatoirement, tu seras intégré dans les prochains. Bon ben c'est parfait ça. J'ai pas du tout regardé l'heure, je sais pas combien on est. On va arrêter là l'épisode, je sais pas du tout combien il dure. Dans 3 jours j'ai le rapport du conseil. Je pense qu'il sera globalement positif, même si j'ai foiré une mission, on s'en souvient. Bon voilà, le jeu a pris un tournant. D'autant du côté négatif, puisqu'il faut que je reforme ma Dream Team, puisque Julien est mort, Alexandre est mort et Adrien est mort aussi. Le gros côté positif, vous le voyez, c'est que ça y est, je peux enfin construire mes propres armes plasmiques. Et là clairement ça va envoyer du lourd. Allez à la prochaine, salut à tous.